Si est-ce un couple né d'une comédie musicale? En acceptant de participer à l'aventure de la légende du roi Arthur, Zao et Florent Mott ne s'attendaient certainement pas à vivre une belle romance. Après avoir pris le temps de se connaître et laisser les choses se faire loin des regards indiscrets, ils se sont mariés en secret puis ont officialisé leur idylle. En 2018, ils sont aussi devenus parents d'un petit Naïm. Une année 2018 bien remplie donc pour l'interprète du tube CST Chelou qui avoue à Pure People avoir adoré sa grossesse. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Résilience, elle a accepté de se livrer sur sa famille. L'occasion de révéler comment elle s'est réappropriée son corps post-grossesse. Les gens vont me détester, lâche Zao d'entrée de jeu lorsqu'on évoque le sujet. J'ai accouché en accouchant, j'ai perdu 7 kilos. J'avais pris 11 kilos. Il me restait pas beaucoup à perdre, donc juste j'ai rien fait. De quoi faire en effet grincer les dents. Si elle n'a eu aucun mal à perdre ses kilos de grossesse donc, elle a aussi adoré sa grossesse. J'ai adoré être enceinte. C'était l'une des meilleures périodes de bien-être des 10 dernières années, affirme l'artiste canado-algérienne, qui sait que ce n'est pas la même expérience pour toutes les femmes. De quoi lui donner envie d'agrandir la famille. Envie, il y a, explique celle qui partage sa vie avec Florent Mott. Après, faut faire avec la réalité des choses. Maintenant, je suis très contente d'avoir mon fils. Si si est-ce ce que le destin nous réserve, je suis déjà très comblée et très ravie. Naïm sosie de son célèbre papa, mais un trait de caractère bien à elle, un petit Naïm qui ressemble apparemment beaucoup à son célèbre papa, comme elle le fait savoir à Pure People, mais qui tient bien un sacré trait de caractère de sa maman. Il argumente beaucoup, il négocie tout, fait savoir l'interprète de CST Chelou. Brossage des dents. Mais attends 5 minutes, 5 minutes, non, attends 3 minutes. Non 3, alors 2. Même si CST une minute, il la négocie. Trait de caractère de moi, vu qu'il ressemble plus à son père qu'à moi. Quand il est né, on s'est dit, ah bon, il a les yeux bleus. Bon bah écoute, j'espère qu'il va me ressembler au fur et à mesure qu'il grandira. Et en fait, il ressemble de plus en plus à son papa, déclare la chanteuse de 42 ans. Toute production interdite sans la mention de Pure People. Comme,